Daniel. Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts longtemps courbés, et pour les bons, prenons les plus belles élans dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyen, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème de notre souverain. Et nous vous invitons à ce titre. Je le dis pour recadrer les intentions lorsque on vous donnera la parole pour de petites questions de précision. Épargnez-nous de questions liées au fonctionnement du parti, liées aux emblèmes, liées à l'idéologie, liées au fonctionnement régulier de ce parti. Aujourd'hui, je le reprends, nous vous avons lancé cette invitation pour discuter ou échanger de notre activité prévue ce 3 septembre à la FIKI. Je crois que c'est très important de marquer. Les honorables sont là. Ces points de presse, quelqu'un d'autre l'appellerait conférence de presse, n'aura pas assez de temps vu la pertinence de ce qu'il a comme message fondamental à lancer. La sortie officielle du 3 septembre. Nous allons tour à tour donner la parole à nos honorables députés pour essayer de vous donner l'ossature de ce que sera cette activité du 3 septembre. Tour à tour, je veux commencer avec l'honorable Eliezer Ndamboué, à qui je veux accorder la parole de manière succincte et brève. Il vous donnera en grande ligne ce à quoi nous nous attendons et ce pourquoi nous vous avons invité. Et après, je reprendrai la parole pour l'en donner à l'honorable Kikamichi. Je crois que l'honorable Eliezer Ndamboué, vous avez la parole. Merci. Voilà, merci beaucoup, chers amis, chers collègues de la presse, chers invités à vos titres et qualités respectifs. Nous excusons encore une fois de plus pour le retard avec lequel nous commençons cette adresse. Bon, c'était prévu qu'on commence, je crois, à 10h, mais là il est déjà 13h, je crois. Nous excusons pour ça parce qu'il y avait quelques points de réglage qu'on devait faire. Si nous avons invité, tel que le modérateur l'a dit, c'est pour vous annoncer cette grande manifestation qui aura lieu ce samedi déjà, à partir de 8h à la FIKI. Laquelle activité consistera à la sortie officielle de notre cher parti, qui est l'Action commune pour la République, qui vous a reçu aujourd'hui dans ces bocaux, qui abrite son siège national. C'est aussi informer à tous ceux qui nous suivront à travers vos médias qu'il y a un nouveau vent, un nouveau média, qu'est-ce que j'ai dit, un nouveau parti politique qui est né
et dont les grandes révélations vous seront données le jour même. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup, si on peut encore continuer. Dans la même pressée, je m'en vais accorder la parole à l'honorable Okika Longchi pour placer juste un mot en ce qui concerne l'activité du 3 septembre à la foire internationale de Kinshasa. S'il vous plaît, chers médias, on peut le faire dans le calme, s'il vous plaît. Merci beaucoup, camarade Dimi. Chers amis de la presse, je n'aimerais pas dire comme Depoeliezer a dit tout à l'heure, cher collègue. J'aurais bien voulu être journaliste comme vous. Malheureusement, je ne le suis pas. Donc, je ne dirai pas cher collègue. Je vais commencer aussi par m'excuser pour le retard. Je pense qu'il a tout expliqué tout à l'heure. On avait deux, trois choses à régler en interne. C'est la raison pour laquelle nous débutons avec un si grand retard. Alors, pourquoi nous sommes là? Comme l'Ebenezer l'a dit tout à l'heure, c'était pour faire cette annonce. Mais surtout, au-delà de l'annonce, c'était pour faire honneur à la presse. Je pense qu'à ces jours, nos premiers invités sur notre liste, c'est la presse. On n'a pas encore lancé les invitations, mais à ce jour, nous avons tenu lancer nos premières invitations, c'était avec vous. Nous nous sommes dit, au lieu que vous puissiez l'apprendre dans des réseaux sociaux à gauche, à droite, vous devez l'apprendre de nous. Vous devez recevoir cette invitation de nous pour venir accompagner Action commune pour la République. Nous avons décidé de faire la politique autrement. Faire cette politique autrement, c'est aussi respecter la presse, honorer la presse et redorer l'image de la presse. C'est pour cela que vous êtes là. Vous êtes là parce qu'aujourd'hui, de manière officielle, de manière solennelle, nous avons tenu à vous inviter à venir accompagner ces bébés qui vont naître le 3 septembre à l'Afrique. Je pense quand même que cette invitation mérite les applaudissements de votre part, parce que vous êtes notre premier invité. Donc voilà qui justifie votre présence, notre présence en ces lieux. Ce n'est pas certainement pour aborder beaucoup de questions, parce que nous réservons la primaire à tous ceux qui viendront le 3 pour venir toucher les fonds. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut nous encourager un peu? Merci beaucoup. Des questions de fond, chose qui pourrait être impossible sous fait afin que nous puissions entrer dans le fond. Je sais que l'honorable Eliezer Tamboué, s'il était à ma place, n'allait pas accepter cette procédure. Donc je vois mal qu'il puisse aujourd'hui vouloir nous museler quelque part pour ne pas poser des questions de fond. Donc moi, souffrez un peu que je me mette pas de moindre. Eliezer Tamboué qui a une base, Okika Longchi qui a aussi une base. Je me dis, comment est-ce que vous allez convoler dans ce parti la CR sans pour autant tomber dans l'écho ou dans la guerre de leadership? C'était ça ma question. C'est qui le président national de votre parti? Ça, c'est la première question. Deuxième question, y a-t-il l'autorité morale du parti? Et troisième, consulter, parce que le modérateur vous a exigé de parler de l'événement du 3 septembre prochain. L'organisation, comment ça va se faire? Il y a déjà de base dans les différentes communes de la ville de Kinshasa. Comment ça va se dérouler? Vous allez mettre en disposition, à la disposition des bus pour vos partisans, l'organisation dans son ensemble. Comment ça va se dérouler? La première question, c'est celle de savoir, la RDC aujourd'hui compte plus de 300 partis politiques.
plus de 800, voilà une précision. Aujourd'hui, tu es assez voir les jours. Quelle sera ta, sa tendance et pourquoi avoir attendu à la veille des élections, parce que déjà, il y a quelques mois, on sera appelé à aller au scrutin. Pourquoi avoir attendu pour lancer les activités d'ACR à ce moment? La dernière question, c'est celle de savoir, honorable Kaloji, comme honorable Eliezer Damoué, sont les deux députés ici à Kinshasa, très connus dans les actions humanitaires. Parfois, il y a des dons, il y a des dons dans certaines structures, ça et là. Aujourd'hui, que vous décidez de former un parti politique, je décide, nous avons 5 intervenants, mais avec plusieurs questions. C'est une précision qu'il faut donner. On n'a pas eu 5 questions. Je savais, hein, je salue d'abord l'intervention de mon frère Paty, parce que je savais qu'on ne donne pas une ligne à la presse. Surtout quand vous l'invitez pour qu'il puisse, pour qu'elle puisse vous poser des questions. Soit ça pouvait être une déclaration, mais non un point de presse. Ça, je savais. Paty pose quand même la question. Vous êtes là, chacun a une base. Comment allez-vous convoler? C'est-à-dire, comment allez-vous marcher ensemble? N'y aura-t-il pas un conflit de leadership? Paty, je pense que c'est ça. Oui, oui. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait un conflit hein, de leadership. Pas du tout. Hein. Quand nous disons que nous faisons la politique autrement, c'est-à-dire, on veut partir de cette pratique des caciques qui est considérée comme une caste où c'est juste un groupe d'individus qui évolue et que les autres ne peuvent pas les suivre. C'est comme ça que nous avons géré le pays depuis l'indépendance jusqu'en ce jour. Alors qu'à mon advent, on dit qu'on reconnaît un bon leader dans ce qui fait grand son entourage. Le bon leadership, c'est celui qui fait de sorte à ce que les autres leaders puissent émerger. Le jour qu'on comprendra ça dans tous les secteurs de la vie, le Congo ira plus loin. Moi, je l'ai toujours dit, nous sommes à Lukunga. D'ailleurs, les capables de Kalonji, parce que j'ai entendu des gens nous appeler camarades, nous, on ne parle pas de camarades, on s'appelle les capables. Les capables de Kalonji est élu de Tchang. Moi, je suis élu de Lukunga. Même à Lukunga, là où nous sommes, quand nous organisons des descentes, vous nous avez vu descendre ensemble avec les collègues. On ne fait pas la politique de la jalousie. Quand on est sûr de soi-même, on n'a pas peur de l'autre. C'est peut-être la presse qui va nous aider pour qu'on ne tombe pas dans la politique de la wengelisation. Nous avons vu des structures nettes. Dans la musique comme dans le média, les gens se mettent ensemble, au bout de quelques temps, ils commencent à s'insulter. Ce n'est pas la politique que nous comptons faire. Et là, on tombera dans ce que les autres font. Mais je pense que on sait bien regarder avant de commencer. La deuxième question, c'est Yansen, qui est de la 10e rue télévision. Paty à l'univers, bien que moi je l'ai connu ailleurs, j'ai confondu, vous allez m'excuser. Yansen pose la question, il dit, il y a une question de qui est président, qui est autorité morale, est-ce que vous avez des balles dans différentes communes et comment vous allez faire de sorte à ce que ces derniers puissent atteindre les lieux du meeting. La question du président, je vais la laisser au capable Kaloji. Mais moi, je vais aborder la question de l'autorité morale. C'est la difficulté que nous avons. Autorité morale, ça veut dire quoi? C'est un système qu'on a mis en place de caciques. Ce que moi, j'appelle le néocolonialisme, la domination de l'être sur l'autre. C'est-à-dire, cette autorité morale-là donne l'injonction à qui il veut. Il peut limoger qui il veut,
ce n'est pas notre démarche. Et le terme autorité morale n'existe pas chez nous. Pas du tout. Je vais peut-être lier cette question à celui qui a posé la question sur la tendance. Moi, je n'ai pas bien compris le sens de la question, tendance. Je ne sais pas, peut-être qu'il va nous éclairer, si le modérateur va le permettre, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'il entend par tendance. Mais sinon, il y a un seul. Majorité ou opposition ? Quelle aile ? Majorité ou opposition ? Oui, est-ce que d'abord, au Congo, maintenant, il y a la majorité et l'opposition ? Parce que nous voyons l'FCC qui a des mandateurs qui existent. L'FCC dans l'opposition, dans la majorité. Nous voyons l'ensemble qui joue et à l'opposition et à la majorité. Parce qu'il y a deux ministres à l'intérieur. Vous voulez parler de qui? Est-ce qu'il y a une opposition qui existe? Donc, pour le moment, la presse devrait aider les gens à connaître que nous traversons le moment de la confusion dans les sphères politiques. Il n'y a ni opposition ni majorité dans ces pays. Tout le monde est partout. Nous sommes nous tous dans la majorité, nous sommes nous tous dans l'opposition. Et là, il est important que la presse le sache. Ça m'a toujours étonné quand la presse n'entre pas dans des questions de fond comme celle-là. Est-ce qu'on peut parler en réalité de l'opposition ici? On va parler de quoi? Mais on voit les gens qui se contredisent, qui sont financés. Ils sont d'un côté, ils tirent les dividendes du pouvoir et ils font des déclarations. Des fois, ce sont ceux qui prétendent être du pouvoir qui font les déclarations contre le pouvoir dans lequel ils se trouvent. C'est vraiment les foutus. Nous sommes partis de la coalition FCC Cash vers l'Union Sacrée, là encore c'est un problème. Donc la question des tendances, il n'y a pas de tendance à ces moments. Et les écrivains, je pense, écriront les livres sur ça, qu'il y a eu au Congo un moment où il y a eu une confusion totale dans les sphères politiques. Voilà pourquoi nous nous parlons de l'arche de Noé. Et c'est pourquoi en ces moments, pour celui qui a posé la question de savoir pourquoi seulement ces moments, c'est au moment de cette confusion-là. Comme ça a existé dans la Bible, les gens ont commis le péché et que les péchés ont atteint les sommets. Quand ça atteint les sommets, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Il a dit qu'il allait détruire. En voulant détruire, il a dit que je dois parler quand même à quelqu'un avant de détruire. Dieu a parlé à quelqu'un. Il a parlé à un certain Noé. Il dit je vais détruire parce que je n'en peux plus de la création et je regrette d'avoir créé l'homme à qui j'ai considéré comme mon ami. Et on construit l'arche. Il dit, construis l'arche parce que je vais détruire. Noé invite les gens, comme nous vous invitons à la futile. C'est samedi les trois. Invite les gens. Venez, il y a un danger, il y a quelque chose qui menace. Les gens ont dit, non, mais attendez, c'est un fou. Hein. Il y a tout ça là-bas, plan à l'issue. Et ils ont fait, hein. Bien que Noé fournit les efforts seuls, comme les saluts, on ne prive pas les saluts aux gens, Noé a quand même dit, venez entrer gratuitement. Les gens ont dit, non, mais on ne va pas là-bas parce que là, on aura pas assez dont on a besoin pour nous divertir. Nous, la capelle, la kuna ezate, musique ezate, yakobi na tobota la match kunate. C'est comme ça que Dieu, je ne suis pas pasteur, mais j'essaie d'illustrer ça. C'est comme ça que Dieu a dit, avant, c'est bon. Ce que je vais faire, je suis un dieu de la reproduction. On va prendre le mâle et les femelles. On met là-bas. À partir de cet échantillon, on va recréer l'humanité qui m'obéira. Donc, c'est pourquoi en ce moment, nous avons commencé. Parce que nous sommes pendant les moments où l'obscurité, les ténèbres planent sur la RDC, surtout en ce qui concerne la politique. Je ne vais pas aller vers la religion. Voilà pourquoi on a fait ça. Je vais vous laisser la question du président, vous allez répondre. Zemima Nyembo de Zetem, elle dit, politique autrement, vous êtes porteur des mandats des autres, mais vous créez quand même un parti politique. Et vous dites que vous faites la politique autrement. À peu près, ce que Zemima n'a pas dit, elle voulait nous faire voir que
vous avez escroqué le mandat d'autrui. Ainsi, il faut utiliser le terme qu'elle s'est réservé. C'est par euphémisme, peut-être qu'elle a parlé dans le sens où elle a parlé. Mais moi, je vous dis ceci, je n'y mens. Nous sommes porteurs des mandats des autres, pas des partis politiques du tout. Hein. Nous portons les mandats des regroupements politiques. La Constitution, à ce niveau, parle des partis politiques. Celui qui quitte délibérément son parti politique, les partis sur lesquels il a été élu. Moi et le collègue Kalonsko, moi je suis de AMK. AMK, ce n'est pas un parti politique. Même alors, je dis toujours aux gens, mais attendez, si telle est la question. Donc, nous sommes au moment de ce flou que nous disons, de cette obscurité dans le monde politique. Parce que nous, on était de la grande famille, ensemble pour le changement. C'est là qu'il y avait AMK, MS, G7, tout ce que vous voulez. Mais nous avons vu les leaders lui-même créer un nouveau parti politique qu'il va appeler l'Ensemble pour la République et que la majorité des députés sont allés adhérer. S'il faut aller dans cette logique-là, tout le monde serait escroc. Je pense que ce n'est pas ça. Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle, madame, qui donne la possibilité à chacun de conserver son mandat, même s'il partait d'un parti vers un autre parti. Tel n'est pas le cas. Même alors, moi et mon collègue, je l'ai dit en sa présence, s'il arrivait que les formations sur lesquelles nous avons été élus réclamaient les mandats, nous allons céder les mandats. Et nous allons continuer. Mais ce n'est pas ça la question. Shadrach, quelle boule. Pourquoi seulement en ce moment, c'est ça? Oui. Je crois que j'ai déjà répondu. Ouais. J'ai dit que Naloba dit bien que Tosadango. Shadrach n'a pas posé cette question. Shadrach était en Lingala. Il s'est appesanti sur la fugue. Alors, il bat. Il a fait un Et chaque fois, ce qui confusion est allé, nous avons dit que 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 nous avons dit pour le moment, opposition est athée, majorité est athée. Nous avons dit que 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 des bisous qui ne pas la concurrence, il n'y a pas plainte. Même ceux qui ont été mis à l'église, ils ont un message, ils ont un balouki. Mais sinon, Fikin, ils ont un balouki. Ils ont un balouki. Azaté. Moutouazana lara, y'a gazo kabela batu, azaté. Donc ce que moni batu bazoya, les abatu, oh baza convaincu, namaka moutouzo sala, na batu bazo mona otouzo sala. Toza 500 de pité. Ah, binonon sobolobia. De yango, au moni parti, azo bangate, ah ou kozala loko la conflit à leadership, oh batu tanyawa, oh batu tanyawa. Les abiloko yabana mikiwa. Donc il y a de la place pour tout le monde. D'ailleurs, biso tozo luka. Ce que tu as dit, ah, ma poste est en nous vide. Même si on a la presse, nous avons vous ne devrez pas servir de poteau indicateur. Depuis Bokaouka, l'université de Kinshasa, vous voyez, par l'équipe, Batangi, Basilis, depuis Bokaouka. C'est ce que la presse fait aujourd'hui. Mais aussi être manipulé. Qui vous dit que c'est interdit? S'il faut aller plus loin, vous ne savez pas que le Congo, les athélos, il y a la presse, il y a les médias. Il a fallu qu'un reporter passe. C'est l'histoire. Peut-être que la presse va mieux bâtir. Donc, Mais nous invitons quand même les gens ce jour-là.
Israël Toumba. C'est Israël Toumba. Oui. Oui, de vos sur télévision. Oui. Bon, tendance. Nasi na répondre à ma tendance. Yo moko, na mona ki on dimina yo moko ke. En tout cas, opposition on peut la rater. Parce que ce qui na tuni yo ah, bien que nazana possibilité te akotuna yo, je ne zotuna. Na tuni yo nani aza opposa. Er moko kotange la na mama Marie Gaga. Alors, je pense que l'opposition est athée. Yango Bokoyoka, samedi Oyo, Tozoka ne la moutouté, mais Nazo Banga qui est mon colombo allé, mais Togolé Lissapé moutouté. Pourquoi avoir attendu longtemps? Oui, chaque chose a son temps. Hein, Israël, chaque chose a son temps. La population n'a plus confiance. Ndema Kambokoyoka, pourquoi la population n'a plus confiance? Mais depuis biso to sala ki elogo batu baza toza na mbongo te toza pe na ba fonction te ndenge toza bo population wana comprendre kake pote kuna aza na confiance te soki o bandika ko lekaka ni kolonios er moko ko mona lokola hein to kende ko mona tata moko na selemba alors que mutu pa ke selemba aza te to lekaka ko lekana te je laisse la parole C'est pourquoi au sein de l'Action commune pour la République, on n'a pas de militants. Ceux-là, entre parenthèses, qu'on a toujours appelé militants hier, ils vont dire notre parti. Et tous sont capables. Nous sommes capables et sont capables. C'est pourquoi vous ne verrez pas que leur place sera que quand nous organisons des manifestations. Mais lorsqu'on a le pouvoir, on veut partager les gâteaux, ils n'y participent pas, non. C'est pour dire qu'il y a eu une idée qui est venue. Nous nous sommes dit que nous devons mettre en place le parti de l'Action commune pour la République. Beaucoup de gens sont venus, mais dans toute organisation, là où il y a des leaders, il y a toujours l'un qui doit laisser la place à l'autre. Cela ne veut pas dire que celui qui a laissé la place ou celui à qui on a laissé la place, ça devient son parti. Non, je pense que c'est ça la tendance de la question. Et souvent, quand nous communiquons, lorsque nous communiquons, si c'est moi qui passe à la presse ou c'est les capables liaisers, on a toujours dit notre parti. Nous considérons qu'il y a toutes ces personnes et chacun a sa place dans le parti. Et même demain, lorsque vous allez faire vos papiers, veillez toujours sur cet aspect-là, leur parti. Parce qu'il y a nous, il y a l'auditoire visible, invisible, il y a ceux que vous allez appeler les militants, c'est leur parti. Donc lorsque vous direz leur parti, vous allez faire œuvre utile. Alors, dans notre organisation, nous nous sommes dit, entre nous, qui sera le président? Parce qu'on avait ouvert des candidatures. Chacun est venu avec sa candidature. Mais finalement, nous avons convenu que ce soit l'honorable, le capable Eliezer Tamboué qui sera président. Moi-même qui vous parle, je serai le premier vice-président. Nous avons un deuxième vice, nous avons un troisième vice. Mais chacun a ses attributions. Le président a ses attributions, il ne viendra pas faire ce que moi je suis censé faire. Moi j'ai mes attributions, je n'irai pas faire ce que le président est censé faire. Je pense que c'est comme ça que nous nous sommes organisés, effectivement, pour éviter ces petits pièges-là tels qu'on est en train de les dire. Et moi je pense que dans la plupart des cas, ces pièges arrivent lorsque vous n'avez pas bien défini les choses. Lorsque vous n'avez pas bien préparé les choses. À notre niveau, je pense que nous avons bien préparé les choses, nous avons mûri les choses, mais nous demandons que vous puissiez nous accompagner pour que votre crainte ne puisse pas arriver. Ce que les capables Eliezer a appelé tout à l'heure, la wengenisation. La wengenisation, c'est là où vous trouvez que quelqu'un pense qu'on doit l'adorer. Tout le pouvoir doit être lui, ainsi de suite. Non, ça c'est des choses que nous, nous avons refusées. C'est pourquoi vous ne trouverez pas une autorité morale chez nous à l'Action commune pour la République, chez vous à l'Action commune pour la République. Donc, si la presse va nous aider à évoluer dans le sens de ce que nous avons
ensemble conçu, vous verrez qu'il n'y aura pas ces petits problèmes. On a déjà commencé à essayer de nous diviser, hein, de nous faire croire qu'il y aura un problème de leadership. Et nous avons tout simplement conclu que c'est la peur. Mais nous, on ne devrait pas avoir peur. Nous avons tout simplement compris que lorsque deux forces se mettent ensemble, ils font peur à plusieurs. Il va revenir à nous d'être sages, d'être prudents dans ce que nous sommes en train de faire pour qu'on ne puisse pas non seulement se blesser nous deux, mais nous avons des multitudes de personnes qui croient à nous que nous ne sommes pas censés blesser. Donc, voilà un peu la réponse que je voudrais donner. Malheureusement, les deux autres vice-présidents ne sont pas avec nous. Et les autres membres du parti, on aurait voulu que vous puissiez les découvrir. Mais je pense que le 3 septembre, vous aurez la chance de découvrir cela. Alors, chacun a sa base. C'est naturel. Lui, il a les gens qu'il aime à la Tchango. Moi, j'ai les gens qui m'aiment à la Lukunga. Nous avons les gens qui nous aiment partout, qui nous accompagnent. Donc, je pense que ça ne devrait pas être le problème. Nous sommes élus, nous nous supportons, nous avons déjà traversé beaucoup, nous avons toute une histoire. Donc, ne pensez pas que ça a commencé aujourd'hui. Lorsque nous nous sommes rencontrés, c'est vrai, lui a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas l'opposition, mais il y en avait. Lui était dans l'opposition, moi j'étais au pouvoir. Mais on collaborait comme s'il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas de majorité. C'est cette collaboration que nous aimerions que ça puisse continuer, mais c'est là avec l'aide de la presse. Lorsque quelqu'un oublie aujourd'hui, il dit, bon, on est capable de dire, il y a l'andakabatuna partout. Vous voyez que vous avez blessé un sentiment. Comment voulez-vous que demain, qu'il puisse faire ce qu'il est censé faire? Donc, tout dépendra de comment la presse pourra véhiculer le message. Nous vous avons dit tout à l'heure, chez nous il n'y a pas de G, chez nous il y a de nous. C'est leur parti, vous verrez qu'on n'aura jamais ces problèmes-là. Je crois avoir rencontré la question de notre ami Hassan des 10e rue Télévision. Merci. L'action, nous l'appelons action commune pour la République. Yansen avec sa belle voiture là prendra 4 personnes. Il va amener là-bas. Fati Kéré, avec ce jour-là, ça ne sera pas au quart des reportages universels, seulement les journalistes. Dès qu'il rencontrera 3-4 personnes, 5-6 personnes, il va les amener. J'ai vu Jérémy ici. Il va prendre sa voiture là, il va y mettre. Donc, tel que vous êtes venus là, chacun avec sa voiture, chacun mènera déjà quelques membres de l'action commune, parce que de manière automatique, on ne parle pas de l'impair. C'est tout Gengam Dunabino Nanagati, Bino tout. Déjà, presse news, t'en es pas au boulot. Voyez-vous, président. Alors, il y a ça, mais en dehors de ça, il y aura peut-être une petite organisation pour ceux qui n'auront pas la possibilité d'arriver là-bas. Peut-être qu'il y aura toujours des gens de bonne foi qui passeront avec des bus, même des transports qui ramasseront les gens. Merci. Merci beaucoup. Mais nous allons venir. Rendez-vous le 3 d'Afrique. Donc, moi je pense que, comme les capables de Géser l'a dit tout à l'heure, avec ou transport et ou t'es pas Nabiso, Patinkere a combiné ça, tout à l'heure, quelque chose à battre. Nabidonios, je crois que ça sera comme ça que vous soutenir l'action commune pour la République. Mais plutôt, il y a une question que les capables d'Imi n'a pas abordé, ça on aimerait aborder. Ça, c'est peut-être quelque chose d'exceptionnel. Vous savez qu'à ce stade, sortie officielle, il y a Action commune pour la République et que ça, les mamans qui l'immobilisent. Ça ne sera pas seulement Kinshasa. Dans toutes les provinces, les gens sont mobilisés. Kuna Totili va transporter. Dans le monde entier, les gens sont mobilisés. Le même jour, et que ça, partout. Et vous aurez l'occasion d'avoir les images après pour partager. Merci. Merci beaucoup. Les délégations qui vont venir aussi de l'intérieur. Ici, nous pouvons saluer déjà la délégation de Lubumbashi qui est avec nous. S'ils peuvent s'élever. Voilà. Ils viennent de Lubumbashi, ils sont déjà sur place. Ce jour-là, vous verrez ceux qui sont venus de l'Europe qui devraient être avec nous.
qui sont venus uniquement spécialement pour cette manifestation. Il y a ceux qui viendront de Tsangani, de Goma. Donc, les gens viennent là où. Donc, à Kananga, je pense qu'il y aura encore. Voilà. Ça, on ne parle pas de Kananga. Avec lui, je ne veux pas qu'on parle en termes de Kananga. On parle de Kasai. Ouais, je sais de quoi je parle. Donc, vous allez découvrir Bosambe Lankolwana. Je sais que vous vous serez avant insomnie. Merci. Merci beaucoup. Capable Papi Kitenge, capable parfaite Moutingwa Bati. Et à partir de Zobota Manangunga, Oyo, Moulini et Zamakasi. Et le Komoko Yassika, Oto Bengi, Arche de Noé. Longtemps coupé, et pour de bons prénoms les plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen, entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement. Saluer l'emblème étant de notre souveraineté, Congo, l'on bénit Congo, les aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur, quand te joindre ton soleil, quand te joindre et toi te joindre. Jour sacré soit les témoins, jour sacré des libertés, c'est moi des libertés que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup pour votre attention. Nous demandons aux organes et acteurs de la presse de bien vouloir prendre nos places. Il y a un cocktail qui a été prévu pour vous. Si vous pouvez nous donner quelques poussières de minutes avant votre départ. Presse, mettez-vous, on va vous offrir une bouteille d'eau avant de partir. Merci.